Toi tous les jours, chaque fois que tu réfléchis, faut analyser, chaque fois que t'apprends, tu prends pas pour argent comptant tout ce qu'on dit. A chaque fois que tu bluffes les condés, c'est dans l'ombre que j'agis. Je veux pas aller buter un flic, sortir mon calibre, question d'équilibre, je veux continuer à faire partie des galibres. Je veux pas aller braquer le putain de magasin en bas de chez moi, ni cramer la caisse de mon voisin. Pourtant, je suis révolutionnaire à plein temps, pas à temps partiel, je passe pas à la télé, je veux pas péter les gratte-ciel. Chaque seconde qui passe, d'une seconde de lutte, sois perspicace. Quand tu restes discret, t'es plus efficace. Il faudrait que je change de mode de vie, que j'arrête de penser, que je taffe comme un ouf pour mieux dépenser. Que je sorte me défoncer le week-end en attendant la semaine suivante. Que je marche sur la gueule de l'autre avec mes semelles pour monter. Dites-moi, c'est ça leur réussite, c'est ça le modèle à suivre. Alors je trace ma propre voie pour survivre. Il voudrait que je me conforme à la norme, que je m'abrutisse, que je bouffe du slim fast pour rester en forme. J'ai une énorme envie de rester hors norme. Une énorme vie de vive man, c'est dans mes hormones. Il faudrait que je mate la télé 4h30 par jour. Je rêve de devenir star d'académie. Alors je poursuis ma révolution discrète. Je sécrète mes rimes, garde mes résolutions et fais tomber les têtes. Chaque seconde qui passe est une seconde de lutte, sois perspicace. Et quand tu restes discret, t'es plus efficace. Alors je poursuis ma révolution secrète. Je sécrète mes rimes, garde mes résolutions et détecte les traites. Chaque seconde qui passe est une seconde de lutte, sois perspicace. À chaque fois que j'ouvre un livre, c'est la révolution. À chaque fois que j'analyse, c'est la révolution. À chaque fois que je prends le mic, c'est la révolution. Y'a pas de solution magique, c'est juste la révolution. Je crois qu'on nous contrôle. J'ai l'impression qu'on me dévisage dans la rue. Y'a des webcams partout et ça me fout la rage. À longueur de journée, ils nous filment. Nous ont surbande et nous filtrent. Et nous entendent puisqu'ils enregistrent tous nos coups de fil. Et ils nous perdent en nous faisant croire que c'est bénéfique. Répandent des thèmes comme l'insécurité et parlent de manque d'effectifs. Du coup ils développent leurs nouveautés technologiques et nous englobent dans leurs projets pour que soi-disant on en profite. Ils nous inventent alors des gadgets, des jouets. Et le pire c'est que nous comme des moutons on achète. Un attel par-ci, un ordi par-là. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui la vie est régie par le fric. Et ça c'est encore un de leurs coups, ça rentre dans leur projet. Ils travaillent comme valeur ultime et tout le reste au retrait. Et c'est qu'on nous transforme en de parfaits consommateurs. À midi, McDo, et le soir fitness et régime minceur. Mais ils se rendent pas compte des conséquences. Les ressources naturelles qui s'épuisent, ça ils s'en balancent. Pollution, pauvreté et grosse fortune de l'autre côté. Misère, famine, richesse mal redistribuée. Elles peuvent réagir mais s'en tapent et disent qu'il n'y a pas de solution. Alors puisque c'est comme ça, moi je ferai ma propre révolution. À chaque fois que t'ouvres un livre, c'est la révolution. À chaque fois que t'analyses, c'est la révolution. À chaque fois que je prends le mic, c'est la révolution. Y'a pas de solution magique, c'est juste la révolution. C'est la lutte contre leur vision aseptisée de la zik. Ça passe mal comme l'alcool aseptisé. À grand renfort de pub, radio headspot. Les maisons disques sortent leurs poulains, les poussent sous les spots. Puis le blé commence à rentrer, puis dans les caisses. Leur ton d'artiste commence à se montrer dans les showcases. Sur MTV, une après-midi, playback avec un faux public et des faux scoristes pour les bacs. Puis vient l'album, un an après c'est l'oubli. Pseudo-artiste est seul, le producteur à tout prix. Puis tout continue, la route tourne et ainsi de suite. Ils reviennent avec une autre shit sûre de réussite. Et des activistes luttent, révolution discrète, résolution au mic, évolution sur disquette. Qui se propagent en beat plein dépendant. C'est qu'on font leur truc, les révolutionnaires sortent en indépendant. De la gloire, son effet mérité. Hélas, chaque cause n'a pas son effet mérité. Donc pour l'amour de la zik, la révolution gronde. Dans l'underground, et la claque sera grande. A chaque fois que j'ouvre un livre, c'est la révolution. A chaque fois que j'analyse, c'est la révolution. A chaque fois que je prends le mic, c'est la révolution. Y'a pas de solution magique, c'est juste la révolution. A chaque fois que t'ouvres un livre, c'est la révolution. A chaque fois que t'analyses, c'est la révolution. A chaque fois que je prends le mic, c'est la révolution. Y'a pas de solution magique, c'est juste la révolution. Get that flashlight out.